bien, bien chaud. Bon, je vais briefer quelque chose que beaucoup d'hommes ne savent pas. Et je m'adresse en même temps à la maman de mon défunt ami qui est parti. Ce que m'a dit à ma maman, c'est une mère pour moi. Je ne l'ai jamais manqué de respect. Et il est toujours défendu, il est toujours honoré. Et je l'ai toujours défendu dans tous les plans, quel que soit quand les gens parlent mal d'elle. Mais on n'attaque pas ma famille. Je ne suis pas quitté au ciel pour tomber. Il y a une famille, oui. Il y a une grande famille. Je ne suis pas quitté au ciel pour tomber. Je ne suis pas quitté au ciel pour tomber. Il y a une famille derrière moi. Il y a des grands frères. Tu travailles, tu as beaucoup d'argent que mon défunt ami connaissait. Je n'ai pas besoin de 5 francs de quelqu'un pour enterrer mon défunt père. Pour enterrer mon père, tu es parti. Je n'ai pas besoin de 5 francs de quelqu'un pour enterrer mon père, tu es parti. Parce que avant de voir le ciel, avant de voir le soleil, mon père a mis des grandes personnes, des grands frères, mes grands frères au monde. Et nous, on peut honorer nos pères comme il le faut, quel que soit le problème. Parce qu'on ne va jamais laisser nos pères, tu nous as mis au monde. Je ne suis pas un mendiant. Maman, souvent tu fais des vidéos, souvent tu fais des... Tu me menaces partout. À chaque moment, tu me mets des pics, tu me mets des pics. Moi, ma mère, à chaque moment, me parle. Mes frères, mes soeurs, me parlent à chaque moment. Mais mon défunt père est décédé. Il ne faut jamais faire ça. Tu es une maman. Pareil comme mon ami, tu es décédé. Il a pris un coup. Et ce qui est ressenti, toi, tu n'as pas ressenti ça. Tu ne connais pas ce qu'on appelle amour. Il ne faut jamais t'attaquer à ma famille, maman. Si tu t'attaques à ma famille, il y a des choses là. Il ne faut pas m'obliger à faire. Il ne faut pas. Non. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Tu es ma... Chérie, tu es la maman de mon meilleur ami, tu n'es plus. Le contraire, c'est nous. On doit te surveiller. C'est nous. On doit faire tout possible pour chercher, pour te donner à manger. C'est nous, on doit faire pour dire, ah, ce dernier n'est plus là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour sa maman? Qu'est-ce qu'on peut faire tant? Maman, arrête de faire des vidéos, tu prends de l'âge. Arrête de mettre les posts sur les réseaux sociaux, tu prends de l'âge. Arrête. Normalement, tu dois rester caché et réfléchir. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Comment tu as fait pour manger? Et nous, un peu net, tu nous vilipendes. Et quand tu es arrivé, c'est mon père a mis des grandes personnes. Mes grands frères au monde, je ne suis pas le seul garçon de mon papa. Et nous, on va honorer mon père. On va l'enterrer. Donc, il n'y a pas besoin de 5 francs de quelqu'un. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin de 5 francs de quelqu'un pour enterrer moi, mon papa. Parce qu'il y a toute une famille derrière moi. Et tu es une mère, tu ne peux pas mettre des choses sur les réseaux sociaux parce que Olo récolte des fonds pour. Non, je suis désolé. Je suis désolé, maman. Faut pas faire. Faut pas faire. Hein. Ne fais pas. Faut pas me pousser à bout. Faut pas faire ça. Mais dis là. On va pas faire durer le direct. C'était pour vous dire. J'étais belle. J'étais belle. Et c'est unique à mon genre. Je suis belle. Le DS, il a grossi un peu. C'est Dubaï là qui m'a grossi. Il a grossi même. Il a mendié. Ah, Dubaï puissance quoi. Dubaï quoi. Dubaï. Le DS, il a trop mangé à Dubaï là-bas. Il a mangé même. Allez. Ok, c'était pour vous dire que je vous aimais. Qu'on était ensemble. J'ai un petit coup à faire rapidement. Là. Je dois partir. Je dis non, je vais faire un petit direct pour vous. Que pour vous dire. Je suis en prêche. Donc, Dubaï m'a grossi. Il faut que je perde beaucoup de poids. Sinon, ça ne va pas aller. Donc,
Merci tous. Abou, tu es là. Comment tu vas, mon frère? Mon amour. Donc, c'est pour vous dire que je suis en fraîche, quoi. Je suis bien. Ça va, mais voilà. Aidez-moi à peine. Au moins, c'est 4 kilos. Aidez-moi à peine tout ça, là, s'il vous plaît. Parce que c'est trop, là. Donc, bisous à vous. Bisous. Bisous. DS, elle a pété les câbles en Europe ici. Venez la chercher. Je vous ai dit, venez me chercher. Et c'est la pète grave ici. Bisous. Bisous. Bisous, bisous. DS, elle a pété les câbles ici en Europe. Corona, arrête de me faire péter les câbles. Bisous. Je vais commencer déjà à parler de DJ Lewis. DJ Lewis, c'est un lâche. DJ Lewis, c'est un lâche et c'est l'artiste le plus vaurien de la Côte d'Ivoire. Pourquoi je dis ça? Depuis le vivant d'Arafat, DJ Lewis était tombé. Le dernier tube de DJ Lewis remonte au son Saint-Guébé. Après Grippe Aviaire, il appelle Saint-Guébé. Ce sont les deux sons de DJ Lewis qui ont marché. En manque d'inspiration, il allait jusqu'à faire des featuring avec Arafat, à faire des featuring avec tout le monde. Ça ne marche pas. Ok. Qu'est-ce que DJ Lewis va faire? DJ Lewis dit que lui, il ne chante plus. Il ne fait plus couper les calés. Lui veut vendre voiture. Passer, couper les calés là, c'est devenu bizarre. Lui, il est devenu un homme d'affaires. Tout ça parce qu'il n'avait plus d'inspiration. Ok. On s'est vu, on dirait c'était à Grand Laou. On est allé faire un gombo à Grand Laou. On a causé, je lui ai dit, mais ah, toi tu es un ancien du coupé de Calais. Fais les sons, rythme les sons, les gens, ils aiment quand tu fais les trucs de folie où ça saute partout, comme tu faisais avant là. On a besoin de tout ça là. Nous autres là, on ne peut pas faire coupé de Calais comme toi, comme Arafat, qui encore? Comme des Bordeaux, nous on est au milieu. Nous on fait trap, décalé, afro-beat, afro-trap, afro-pop. Mais on essaye un peu le couper décalé. Lewis dit non, tu sais, tu es ce qu'au moins, je préfère vendre mes voitures, à faire le couper décalé. Là, moi, vous les aidant. Nous on a déjà fait notre temps, c'est rentré, sorti là-bas. Tchao, le monsieur était en manque d'inspiration. Le monsieur ne se retrouvait plus. Il lui a dit, ok, il n'y a pas de souci. À ma grande surprise, je vois le même Lewis en train de quêter encore dans Coupé de Calais. Quêter encore, ça ne marche pas. Il est allé maintenant aller faire un faux son. C'est-à-dire que tellement ils sont en manque d'inspiration. Allez sur ma page YouTube, vous allez voir ce qu'on appelle inspiration. Moi, là, je peux créer une chanson chaque jour que Dieu fait. Ça, c'est un don de Dieu. Lewis allait prendre le concept de la pauvre fille qui dit bim, le goût des chats. Entendu, on avait déjà chanté ça. Qui n'aime pas ça, le goût de ça, qui n'aime pas ça. Qui n'aime pas ça, le goût de ça, qui n'aime pas ça. Et c'est moi-même qui ai inspiré la fille qui allait dire que non, ah bim, j'ai fait le goût de ça. Parce que la fille elle-même, elle avait fait des mots sur ma chanson. Donc, c'est dit, c'est mon inspiration que la fille a pris. Pour faire une petite vidéo, puis ça fait un petit buzz. C'est ça là que Lewis allait prendre pour dire lui veut faire chanson. Chanson lui l'a fait là. Attends. Avant qu'elle continue à parler là. Attendez deux minutes. Chanson que lui l'a fait là. Ça n'a pas pris. Puis il a voulu se jouer les chanteurs. Au lieu d'animer, au lieu d'être un bon chanteur de coupé et calé, il a voulu être un chanteur de variété. Vous comprenez un peu, non? Donc, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Aujourd'hui, DJ Lewis est obligé de faire featuring. Quelle honte! Quelle honte! Si Serge Benoît fait featuring avec les enfants, là, je comprends parce que lui, c'est une manière de leur donner nom. Parce que lui, il est aujourd'hui l'artiste le plus suivi
le plus populaire du coupé de Calais. Il y a Serge Benoît, il y a Debordo Likoufa, Ariel Chenet, Safarel. Mais toi, Lewis, tu es en bas du classement. Donc, quand toi, tu fais featuring avec un petit comme Fior de Bio, c'est pour prendre nom sur lui, c'est pour prendre compte sur lui. C'est-à-dire que c'est le petit maintenant qui te donne nom. Quelle honte! Et de quelle manière vous allez prendre son des Angolais? Vous allez prendre son des Angolais pour dire que vous avez créé. Ton frère Daïchikan, Didier Arafat, a créé Trappe de Calais pour te donner. C'est-à-dire que mélange de coupé de Calais et d'afro-beat et d'afro-trap pour te donner, pour nous donner. Tu n'as pas à prendre ça, hein? Mais tu vas laisser le coupé de Calais. Tu vas laisser Trappe de Calais pour aller faire de l'afro-house. Son de Angola. Et puis aujourd'hui, les Ivoiriens sont tellement gawa. Les Ivoiriens sont tellement gawa qu'il y en a, ils voient dans les commentaires, oh, c'est trop chic, oh, le grand retour. C'est la honte totale. Et c'est dégradant pour la musique ivoirienne d'aller voler une autre identité musicale pour ramener chez nous. C'est dégradant. C'est honteux et c'est dégueulasse. Et ça, je suis énervé pour ça. Surtout venant d'un gars comme toi, DJ Lewis. Et aujourd'hui, tu es obligé de sponsoriser toutes tes publications. Tellement il lui a dit la vérité, il m'a bloqué sur sa page. Tu es obligé de sponsoriser, c'est-à-dire que payer Facebook pour faire promotion d'une musique étrangère. Le son des petits, il dit Mougou Mougou Dja, piqué, piqué, piqué. Ça, c'est des beats qui existent déjà sur YouTube. Ils sont allés payer pour faire leur chanson et ça. Même beat que vous avez pris là, c'est des beats qui existent déjà sur YouTube encore. C'est que tu viens de faire Fior de Biol. C'est la honte. Alors qu'il y a des bons arrangés en Côte d'Ivoire. Et la musique ivoirienne est encore là. C'est pas parce que DJ Arafat est mort que toi, DJ Lewis, n'as plus inspiration, que tu vas faire la promotion de la musique étrangère. On a assez de problèmes dans ce pays-là musicalement. Voilà ton petit frère Ariel Chenet qui se plaint que non, les promoteurs nous négligent. Mais mettons-nous tous ensemble pour faire ce combat-là. Mettons-nous tous ensemble pour faire ce combat-là. Mais toi, tu as, en tant qu'un leader du coupé de Calais, tu as allé faire de l'Afro House. Son d'Angola. Quelle honte! Honte à toi! Tous mes fans et tous les fans de la musique ivoirienne, allez dire à DJ Lewis qu'il fait la honte de la musique ivoirienne. Parce que ça, c'est une manière de dégrader notre musique et c'est une manière de nous imposer encore de la musique étrangère. On en a assez comme ça de la musique étrangère. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas xénophobe. Moi-même, je chante un peu de tout. Mais arrivé un moment, trop, c'est trop. Arrivé un moment là, trop, c'est trop. Donc, c'était juste pour parler à DJ Lewis pour qu'il se ressaisisse. J'espère que c'est son dernier son. J'espère que c'est son dernier son d'Afro House qui vient de l'Angola. Et les gens en Angola, là-bas, eux, ils font déjà des millions de vues avec ça et ils sont connus dans leur pays là-bas. Donc, laissez-les tranquilles. Faut pas vous avoir fait que ce style de musique va commencer à prendre en Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, eux aussi vont venir s'ajouter encore pour aller faire les palais de la culture, tout ça. Non, ils ne sont pas d'accord. Ça, seulement, ils ne sont pas d'accord. Je n'ai rien contre eux. J'adore la musique Afro House. J'adore tout style de musique. Mais je suis ivoirien. Et je défends le coupé de Calais. Je défends la trappe de Calais. Je défends l'Afro Trappe. Et je pense que l'Afro Trappe est assez vaste. L'Afro Trappe, là, il y a de la musique africaine. Et il y a de la musique européenne dedans. Donc, on peut faire ça. Maintenant, si on veut accélérer encore ça, là, on peut faire comme j'ai fait mon son Prends Seulement. Ou bien le son Eldon qui arrive. Ou bien qui n'aime pas ça, qui est de la trappe décalée. Si on ne veut pas trop faire de la faux-trappe. Mais il y a trop de choses à faire dans ce pays-là. Donc, vraiment, DJ Lewis, tu es une honte pour les artistes de coupé décalé. Faut te revoir. Passez-lui le message que le gringo, le rebelle n'est pas content. Je ne suis pas du tout content de lui. Voilà. Deuxième message, il y a un gros cocotier à Paris là, du nom de Stevie Ahmed Bakayoko, qui n'arrête pas de m'insulter à chaque fois que je fais un post. Donc demain à midi, je serai à Paris. Actuellement, je suis à Lyon. Demain à midi, je serai à Paris pour aller régler mes comptes à lui. Chap, chap! Il s'amuse, je lui casse la gueule en même temps. Voilà, c'est tout ce qu'il faut.